Châtelaine et les biscuits Tradition 1905 de Leclerc nous ont demandé de partager nos traditions familiales. Ça a résonné en nous parce que c'est tellement important et on avait vraiment le goût de participer au projet parce que depuis toujours, avec nos enfants, on veut créer des traditions avec eux. Puis je vous dirais même que ça remonte à notre enfance avec nos parents. Toi, Pierre, les moments de cinéma en famille étaient très présents chez vous. Oui, c'est ça. La fin de semaine, souvent, on avait des tâches ménagères à faire. Tondre le gazon, ramasser du bois. C'est le fun, c'est le fun. C'est ça. C'est des choses qu'on n'aimait pas vraiment faire. Puis, pour nous récompenser un petit peu, ben le samedi soir, on se faisait un bon souper. Puis ensuite, on allait se louer un film. Puis, on s'installait toute la famille sur le sofa. Puis, on regardait des films d'action, des comédies. Puis, on passait de vraiment bons moments en famille. Puis, on s'est rendu compte qu'on fait ça, nous autres aussi, avec nos enfants. Ici, on est sur notre sofa, là, justement, sur lequel on regarde des films avec nos propres enfants. Puis, en fait, je revis certains moments que j'ai vécu avec mes parents. Puis, je fais partager avec mes enfants certains films que j'ai vraiment aimés quand j'étais plus jeune. Puis, on passe là, des après-midi, des soirées vraiment mémorables. Moi, ça me fait penser, quand j'étais petite, je visitais mes grands-parents toutes les semaines. Puis, c'est eux qui m'ont appris à jouer aux cartes. Et avec les enfants, on a un plaisir fou à jouer à toutes sortes de jeux. On leur apprend les jeux qu'on jouait quand on était petit. Et puis, encore là, ce sont des traditions toutes simples, mais qui apportent un immense bonheur. Puis, c'est tellement important pour nous de créer des moments tout au long de l'année avec eux. Alors, on aimerait savoir, quelles sont vos traditions familiales? N'hésitez pas à les partager avec nous, puis on va se faire un plaisir de les lire, puis peut-être même s'inspirer de ce que vous faites avec vos enfants. Donc, merci pour votre écoute, et nous, on vous dit à bientôt! Bye!